Le noma est une maladie qui ronge le visage des enfants. Quand on entend son nom pour la première fois, on ne sait pas de quoi il s'agit. Quand on entend la description, on n'arrive pas à y croire. Et quand on le voit de ses propres yeux, on ne peut plus jamais l'oublier. Docteur Bertrand Picard. Adabagan wadumia. Sakanga bonte noma. Sakanga bonte noma. Ils sont venus pour défrayer la chronique avec la sortie éponyme de leur premier album. Un album qui a eu sans doute et forcément le soutien des professionnels de la musique, mais aussi avec un appui immense sur leurs talents. Ils sont deux, et c'est Fred, c'est Auguste. Et aujourd'hui, nous sommes avec Auguste pour cette émission. Un album de conscientisation pour toutes les générations, une lutte très particulière, la lutte contre cette maladie qui défigure les enfants d'Afrique. Je suis très content de t'avoir à cette émission. Merci Auguste. Pour ceux qui sont très proches de toi, nous savions sans doute forcément que tu es un homme très 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 courageux, mais aussi très 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 talentueux. Parle-nous d'abord de cette maladie. En fait, le noma, c'est une stomatite gangréneuse, la face, à point de départ gingival, c'est-à-dire un truc qui ronge les nez, qui ronge les lèvres, le visage et tout, qui défigure complètement les enfants. Et c'est une maladie qui vient comme ça au cours de la vie. L'enfant n'est pas avec le noma. Toi, tu as été victime de cette maladie et avec brio, tu as suivi une intervention chirurgicale du côté de la Suisse. Effectivement, le noma, c'est une maladie effrayante, c'est une maladie vraiment ravageante, terrifiante, parce qu'une fois que tu es pris par le noma, tu es complètement défiguré. Moi, j'ai vécu avec ce terrible mal pendant plus de 8 ans. Et puis, la chance m'a souri, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. J'ai bénéficié d'une évacuation en Suisse. Et je me suis fait opérer à l'hôpital universitaire de Genève pendant 17 heures de temps, où ils ont prélevé mon péroné pour constituer mon visage. Et puis, de là, c'est parti ma vocation de devenir aussi soignant pour lutter contre ce terrible mal. Et puis le mal ne t'a pas trop fragilisé, puisque ta passion a pris le dessus aujourd'hui. Tu es un artiste, musicien, chanteur, auteur, compositeur, et tu as mis sur le marché discographique une très très belle sortie discographique, un album fantastique et fantasmagorique. Moi, j'étais un choriste, et dans le lycée, j'étais le responsable des activités socio-culturelles. Après, j'étais le responsable de l'AGEC, qui est Jeunesse étudiante catholique. J'ai milité tous ces mouvements d'action catholique, et j'avais aussi des notions au niveau de la chorale. Je me suis dit, pourquoi ne pas oser, pourquoi ne pas faire quelque chose dans ce sens, pourquoi ne pas composer, pourquoi ne pas parler de cette maladie en chanson. Donc c'est parti là de la composition de l'album. J'ai commencé avec 2, 3, 4, 5 titres. Après j'ai dit, mais il faut aller en album complet pour varier et pour donner tous les styles et presque 4 à 5 langues pour que la population environnante puisse comprendre, puisse savoir ce que c'est exactement que le noma. L'album en partie a été aussi produit, a eu le soutien sans doute et forcément de ce grand monsieur qui a découvert le noma. Effectivement, c'est le docteur Bertrand Picard qui a découvert le noma. Il est suisse et actuellement, il a une grande ONG qui s'appelle Wind of Hope, c'est-à-dire le vent de l'espoir, pour lutter contre ce terrible mal qu'il a découvert. C'est lui qui nous a soutenus à faire ça avec l'appui de celui qui dirige l'association de Wind of Hope qui s'appelle Philippe Rattle. C'est lui qui nous a aidés et il nous a aidés sur le plan financier et il nous a poussés, il nous a encouragés. On a fait l'album, on était présenté l'album en Suisse qui est applaudi et tout le monde a pris vraiment avec joie parce que ça commence à faire beaucoup de retombées. Nous, on reçoit beaucoup, beaucoup d'enfants qui, et leur maman ou leur papa ont entendu parler du noma et ils viennent se faire soigner au Burkina Faso. Et je lance aussi un appel pour dire que c'est possible, cette maladie, au lieu de faire une évacuation en Suisse, c'est possible maintenant à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la maison de Fatih, ce centre accueille tous ses enfants et les soigne gratuitement. Voilà, on parle toujours de la musique puisque l'album ne comporte pas seulement que cette chanson, il y a des très très belles chansons. Alors parle-nous un peu d'autres thématiques que vous développez dans cet album.
On a fait exactement, merci de m'avoir souligné ça, on a fait exactement d'autres titres, pas seulement que le Noma, mais d'autres titres qui touchent plus la population jeune, la jeunesse. On a fait du rap, du hip-hop, des trucs comme ça pour vraiment embellir la chose, pour montrer surtout notre talent, pour dire que nous pouvons faire plus que ce qu'on parle du Noma. Mais parlant de la maladie, il faut aussi réjouir la population, il faut aussi apporter d'autres choses que la maladie. Donc voilà, pour cela, nous on a fait un album varié, d'où actuellement je peux donner un exemple d'un titre qui s'appelle Yelko Iki. Yelko Iki qui veut dire il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux nous fredonner quelques notes de cette très belle chanson? Yelko ikimbod nit, yelko ikimbod nit, niten ikimbod yel, niten ikimbod yel, yelko ikimbod nit, yelko ikimbod nit, niten ikimbod yel, niten ikimbod yel. Zekif nengen gesima, zekif nengen gesima, adzima lebga togo, adzima lebga togo. Bis zekif nengen gesima, zekif nengen gesima, adzima lebga togo, adzima lebga togo. Faut pas s'inquiéter, faut école, faut pas s'inquiéter, faut école. Wiske mengen karmé, wiske gemenga karmé, faut pas s'inquiéter, faut école, faut pas s'inquiéter, faut école. Wiske mengen karmé, wiske mengen karmé. Merci, en tout cas vous pouvez l'applaudir chez vous, c'est un talent qui nous accompagne et puis également c'est une chanson de conscientisation pour toutes les générations. Respecter les parents quand on va à l'école, c'est pour être un homme de demain. S'il vous plaît, aidez les parents à nous aider. Mes sources d'inspiration, bon, en fait, moi, j'ai une maman que je dis actuellement père à son âme, qui me montrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons dans la tradition, dans les histoires. Et chaque fois quand elle me racontait des histoires, ça s'accompagnait de chansons, ça s'accompagnait de musique traditionnelle. Donc, je me suis inspiré de là, ce que ma maman, elle me montrait quand j'étais tout petit. Il va falloir un jour que tu puisses faire le choix entre la musique et puis la médecine. Ben, je crois que non, je le fais les deux, je vais jumeler parce que les deux vont ensemble. Et chanter la musique et puis la maladie. Tu vois un malade sur le lit du malade qui entend une belle chanson, vraiment c'est adoucissant, la chanson c'est adoucissant, c'est apaisant. Est-ce que c'est le début d'une carrière professionnelle? Je dis c'est le début d'une carrière professionnelle parce que moi je vise à aller loin, très très loin, et surtout pas moi seul. Quand je parle au nom du Burkina Faso, je parle au nom de tous les jeunes du Burkina Faso. C'est une carrière qui ne fait que démarrer et nous allons faire des merveilles, nous allons émerveiller le Burkina Faso, surtout la population jeune et autres. Et comme je le disais tantôt, l'album est dans le bac et surtout dans le bloc à voir absolument. African Boys, c'est la nouvelle formation musicale qui vient d'arriver avec que de la bombe. Boum! Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il a une bonne caractère. C'est quelqu'un qui aime battant. S'il dit qu'il veut faire quelque chose, il le fait jusqu'à la fin. Bon, il sent bien. Je sais qu'Inch'Allah, il va aller de l'avant. Augustin est quelqu'un de très serviable, quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne pour les autres. Comme vous pouvez le constater dans les chansons, il dit qu'il est là pour les autres. C'est quelqu'un qui est tout le temps généreux et qui est jovial, qui est souvent heureux. Et puis ça fait plaisir de travailler avec des gens comme ça. Et puis qu'est-ce que je peux dire de sa musique surtout, c'est que c'est une musique en fait que je pense importante parce qu'elle permet de sensibiliser les gens en fait par rapport à cette maladie sur le Noma. Et puis tout en restant dans une mélodie très sympathique et très dansante qui nous donne envie de l'écouter. Non,
noma banga kuda kamba wutsko la noma wa tarati ati malige de katwi ati galige de katwi vitali kama kenge lotori sempe tali kama kenge maison de fati vitali kama kenga de aux enfants tali kama kenge sentinelle faso ramba zame noma mali ramba zame noma Niger, Zamne Noma. Leader de demain sur le plan international qui nous accompagne. Merci de sauver l'Afrique. Merci de te battre pour l'Afrique. Merci toujours d'être drapé des couleurs de ton pays, le Burkina Faso, puisque quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu te bats pour le Burkina Faso, tu te bats pour les enfants malades du Burkina Faso. Encore, que Dieu te bénisse, mon frère. Remercier tous de loin ou de près m'ont soutenu pour la réalisation de cet album. Remercier Fred qui est sans doute avec moi, qui chante en Dioula et que moi je comprends pas la langue. Et remercier aussi le directeur de Sedoni avec tout le staff de Sedoni, Monsieur Richard Traoré, un grand merci. À Philippe Rattel, un grand merci. À Docteur Bertrand Picard qui a découvert le Noma. Un grand merci à toi aussi, Cheikh Dave, qui croit en moi et qui m'encourage dans tous les sens. Merci. Acheter l'album avec Stucker BBDA pour permettre à Auguste, pour permettre à Fred, pour permettre au groupe African Boys de revenir encore. Retenez ceci avant de se séparer. Il ne sert à rien de trop se cogiter ici, car la vérité vraie sera rendue par le tribunal de l'histoire. Quoi qu'il en soit, African Boys, toujours présent. Ciao, assalamu alaikum. No matter si si no matter be da malaga o ti ti en andike no matter be da malaga li fu de mi so ama no matter be da malaga o pende ku mi anu no matter be da malaga kibi nune atang penale ni anyarbana kibi nune atang penale ni anyarbana ya oto Noma banga kuda kamba wutsko la noma wa taratini.